C'est ça. All right. Ok, en avant. Likefac.bds. C'est lui avec la... Avec le truc de Brooklyn Nine-Nine. Ça va être ça, je pense. Il me semble. Du coup, ça, c'est bon. Et Kaneki, je ne sais pas si je l'ai... Tu peux les player, Kaneki, poulet ? K-N-E-K-2-I. C'est tout ? Oui. Genre son pseudo sur Uplay, c'est ça ? C'est celui que j'ai, sinon, bah attends, je vais aller le voir. Ok, ok. Rien. Bah en tout cas, j'ai envoyé des... Yes, c'est moi, c'est Chuck. Chuck ? Chuck. C'est Brooklyn Nine-Nine, non ? Alors, en même temps, ça pourrait être Jack Ryan, tu me diras. Il a fait quand même quelques rôles. Après... C'était pas dans... C'est une vieille série. Ah ouais ? Parce qu'il joue super bien. Merde, pourquoi j'ai écrit comme une merde ? Ah mais non et puis, c'est pas Brooklyn Nine-Nine, en plus je suis con, c'est The Office, je suis débile. Enfin c'est celui qui est très connu, enfin qui s'est fait connaître vraiment pas, bah je savais pas qu'il était connu d'avant. Alright. Merci Golden Killer. Ok, ladies and gentlemen, bah j'attends que t'acceptes l'invitation poulet. Et on va pouvoir y aller. On sera en BO1 toujours. Likefac face à Kaneki. Pendant que je suis en train de me préparer mes pas de taille. Tu peux plus te foutre de ma gueule maintenant. Donc je te laisse regarder Assassin's Bot. Je t'ai mis le pseudo de Kaneki dedans. Attends. Attends, je suis là, 2 secondes. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air tendu. Je suis pas tendu. Ok. Juste que je te donne les infos. Ok. Du coup, Assassin's Bot. Ah, c'est Kaneki Inferior. Kaneki.inferior, au cas où ça bug. Voilà, je pense. C'est mieux. Eh ben, les deux sont invités, s'ils veulent accepter. Parfait. Tu as Likefac qui commence en défense et il joue sur maison. Et c'est Kaneki face à Likefac ou Likefac face à Kaneki ? Likefac contre Kaneki. Ok. Likefac à gauche, Kaneki à droite. Yep. Ah, je veux pas y arriver. Et Kaneki. Tu me l'as envoyé. Ah, putain, la vache, je me fais mal. Oh la vache, eh. Et pourquoi je peux pas faire de... Ah mais non, dans les noms d'équipe, on peut pas, ok. Ok, ça ira. Ça ira, c'est bien écrit. Merci poulet. Du coup, bah je les invite. Ok, il a accepté. Liké, c'est fait. Kaneki, c'est fait aussi. Et tu m'as dit Likefac est à gauche. Et après, attaque-défense, tu m'as dit ? C'est House aussi ? Likefac, oui. House et Likefac en défense. Likefac en défense. Donc, c'est... Orange en attaque. Faute de frac. Faute de frappe. Non, c'est pas faute de frappe là, c'est fatigue.
Il vient ou quoi? Ah, amazing. Hey, what's up? Ah, j'ai pas entendu. Yo. Yo, six question. Est-ce que je peux aller chercher une bouteille d'eau? Bah, ça dépend. La chercher où? Dans un manoir. Non, je rigole. C'est même pas 30 secondes, t'inquiète. Vas-y. Vas-y, toi, t'es. J'ai attendu qu'il parte pour dire qu'il aura pas besoin de bouteille d'eau. Allez, moi, je me sauve. Bon match, tout le monde. Merci, Arta, t'es un monstre. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il est parti faire caca, surtout là, il flippe sa race. Ah ouais, ça je connais ça, le caca avant match. Le bon caca tout mou là. Merci Arta en tout cas. Tu fais la GA toi ou quoi? Eh? Non, Kneki, on parlait de ton caca. Ah. Vous êtes prêts? Oui. Yep, c'est bon. Eh ben en avant. Have fun les poulets. Hi. Ok, merci Alro, j'étais en train de manger en plus. Franchement, ça fait plaisir de dire ce genre de truc. Ça veut dire quoi, chef, en français? Amusez-vous bien. Vas-y, Yonim, tu vas prendre un ban, mec. Je suis en train de manger. J'ai pas mangé depuis hier, là. Ça va vite, quand même, hein. Je suis en train de me faire des crêpes. Oh, j'ai pas mangé de crêpes depuis 5 ans, je pense. Au moins 5 ans. Ouh. Les Kefak qui continue sur sa lancée. L'homme qui ne court jamais. Première Mira du cast. Ouais, j'avoue. C'est chiant, hein, ce truc du son, là. Pas con, les crêpes. Mais non, mais les crêpes, après, tu mets du Nutella, de la banane, de la chantilly, c'est bon, tu prends 16 kilos, mon gars. C'est quoi ce problème de son? C'est Rainbow Six. Ça s'appelle Rainbow Six. Ça prend l'info. Oh, ça prend l'info, mais ça vient se coller contre le mur. Du coup, on perd le côté pick advantage. Et derrière, on est pick sell de la part de l'IKFAC. Easy. La décontraction totale du joueur pro. La décontraction totale.
BO1. En soi, c'est du 1v1, tout le monde peut gagner, mais faut pas croire, ça donne vraiment l'impression comme ça. Mais on s'en était aperçu la première fois, moi je me disais au début, les 1v1 c'est de la merde. Ça sert à rien et tout machin. Et au final, quand on a commencé à en faire, on se disait, hey mais c'est pas si mal en fait, ça t'oblige à faire bouger ta... Enfin à réfléchir, à voir les choses autrement. Et surtout quand t'es dans cette situation là, BO1, pas de... Y a pas de... Sympa le Pac-Man. Y a pas de... Comment dire de... Yes. Y a pas de filet de sauvetage. Et ça, ça fout un stress énorme. Tu le sens, hein. Tu le sens tout à l'heure. Tu sentais qu'il y a eu des joueurs qui étaient stressés. Merci infiniment Ispa pour les 2 mois de méga étudiant du campus de la Salty Academy. T'es un monstre poulet. Et merci Tisma d'avoir offert la possibilité à Xolar ces 3 mois. Vous êtes des monstres les amis, vraiment. Ouais, t'es toujours en clutch. Oh là 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 là. Zéro stress. Il a zéro stress. Zéro stress. Incroyable. Et on reprend la Mira du côté de l'Ikefak. Canécris... Non. T4, y'a une Furia, non? Il y a au moins 3 divisions qui s'est parlé d'eux. Sans balèque, la force tranquille. Y a rien. Tout le monde super. Dès qu'il tombe contre l'Ikefak, tout le monde sous-perf.
Ça, c'est le placement et les moves d'un mec qui a peur. Il se liquéfie. Allez, bon. Il est pas bête. Mais il regarde quand même. Termite. Termite, les amis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y croit tellement pas en face. La décale en soi est pas ouf là hein, pour la première fois. Mais en face, ça joue pas. En face, ça joue pas, les amis. Trop facile pour l'Ikefak. Le cash prize de 1200 euros, c'est pour le premier. Ouais. Le premier repart avec un PC. Le deuxième, il repart avec que dalle. Oh, oh, oh. Fait des setups, l'Ikefak, en mode tranquille. Oh là là, il est trop bien ce setup là. T'es trop bien avec ça. Ça fait mal! Merci Chili Steve pour les 15 mois, t'es un monstre poulet. C'est trop simple. Trop simple pour l'Ikefak. Trop simple pour l'Ikefak. Allez les amis, encouragez Kaneki. Personne ne veut voir du 7-0 là quand même. Enfin si, vous, parce que vous êtes un peu des petits fils de pute quand même, mais... Moi, je veux pas voir de 7-0. JFK, pourquoi t'as pas joué? T'as joué, toi? Ah si, t'as joué. Tu t'es fait sortir par qui, JFK? Et Kefak, il a le regard d'un méchant dans Star Wars. Moi, je vois... C'est tout petit, le retour, donc... Il est toujours en lice. En lice, on dit. Pas sorti, t'es malade, Six. Ouais, c'est pour bientôt. JFK, dès que je vais te streamer, de toute façon, tu vas te faire défoncer comme d'hab. JFK, il est bon que seul titre duel, de toute façon. C'est bien connu.
Pourquoi tu mets pas les options comme les Salty Duel d'A... Pourquoi tu prends pas un sub, Anthony? Ok. Pourquoi tu m'aides pas à vivre? Espèce de petit salaud. Hein? JFK, il est bon? Ouais, non, JFK... JFK, on l'avait pris dans le premier Unitis parce qu'il nous fallait notre quota, tu vois. Il fallait le quota. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est complet ce joueur. Allez. Allez. Ah non. Non non, ça stresse, ça stresse. Il y est plus. Il va se faire jouer. Il va se faire jouer en face. Il n'y a pas besoin de se donner. J'y mets un sub moi à l'Hélène au passage. Vas-y, c'est intéressant ça. Voilà, c'est ça Kaneki. Enfin. Un move de bonhomme là. On va chercher ce truc. Une plus grosse tête là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bim, 5 à 1. Bon, il y a du boulot là. Le dernier Salty Duel PC en 1v1, qui a eu? C'était pas Sheiko qui avait gagné le dernier Salty Duel? C'était Sheiko face à JFK, je crois, non? T'avais gagné contre Sheiko, JFK, non? Non, t'avais gagné contre Dan. Perdu contre Sheiko. Merci MLK Afzi pour les 3 mois de frais de scolarité, t'es un monstre poulet. Il s'est pris une tête. Ouais, Kali, one tap, 300 mètres. La fameuse Lee Harvey. Il y a eu un seul titre sur PC, puis le dernier c'était sur console. Bah, l'année dernière, on en a fait tous les mois, les mecs. Des 1v1, des 2v2, des 3v3, il y avait tout. Je rappelle quand même qu'il y a eu, de la part de la Salty Academy, il y a eu plus de 26 000 euros de cash prize de données l'année dernière. Oh, oh, Kaneki, non, hé, hey, pas comme ça Zinedine. Kaneki, oui, il est pas là, il est pas là, c'est parce qu'il arrive dans ton trou de balle. Il est là, le vilain méchant loup. Kaneki, Kaneki, non. Coucou. Si ça a 5 balles de match à sauver. Pengu et Sheiko qui plantaient la bombe sur la casquette de 6-4. Mais ils ont jamais planté de bombe. Vous êtes ouf ou quoi? Ils approchaient pas le bomb site. Bon, qui est-ce qui se fait chier là? Il y a bien parmi vous des gens qui foutent rien de leur vie là. Ok? Qui saignent du cul sur le jeu. Et qui veulent un avenir sur Rainbow Six, bordel. Allez, avec Yungtis. Non, non, non. Oui, il est passé. Il est passé. Oui! Allez, c'est pas fini. Vas-y, Kaneki. Hein? Donc n'hésitez pas les amis. Yungtis recherche. Allez voir Espure, allez voir Nero, Alpi. Direction Bootcamp. Direction Louvard. Retour
Gamer Assembly, bam bam, tout frais payé. Moi j'ai que 17 ans et demi, et 18 ans dans 6 mois. Ouais non là c'est pas possible, si t'es mineur c'est pas possible. Y'a Norman qui a un truc e-sport si tu veux. Non c'est pas possible là, on va à la Gamer Assembly, c'est un truc pour les adultes. Quelle horreur. Quoi, j'avais pas le droit? Vas-y, allez. Le pauvre. Faux! Faux e-sport. Prenez Spino chez Inktis. Mais il est déjà dans une équipe, mec, et il nous a fait une zizou, là. On lui a dit, frérot, t'es dispo? Non, bah en fait, il a piscine le 28. Non, je déconne, hein, je dis ça avec du second degré, mais je crois que un peu, quand même. C'était pourquoi pas, et puis après, bah en fait, non. Comme souvent, mais bon, j'en veux pas. De ce qu'on m'a rapporté. Peut-être qu'on m'a rapporté des conneries. Je fais des trucs un peu malsains, je mène une vie d'assassin. Ouais, ouais, j'avoue. Les paroles de Norman. Possible de rejoindre Yungtis en étant au Canada? Mec, est-ce que tu défonces l'IKEFAC en 1v1? Je te jure, je te paye le billet d'avion. D'accord? Mais faut que tu sois champion top 50. Oh, l'IKEFAC, il te met des miras, sérieux? Oh là là, Kaneki. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah ouais, mais bon. Fallait attendre, mon poulet. Tu savais qu'il allait pré-shot dans ta smoke. L'idée était bonne. Et c'est dommage. Et c'est fini pour Kaneki. Comme face à Ranker tout à l'heure, l'IKEFAC gagne 7 à 2. Kaneki qui n'aura pas démérité. Trop complet physiquement et mentalement. Il est trop fort ce jeune homme. Ce jeune homme de BDS. GG well played. L'IKEFAC avance. On passe au deuxième quart de finale d'ici quelques instants.